13 h Débat première. Robin Cornet. Gouverner sans le PS, est-ce possible Alors dans les gouvernements probablement, mais dans tout ce qui est administration, service public, dans toute une série d'ASBL, d'organismes d'intérêt public, et eh bien, ça paraît plus difficile pour ne pas dire impossible. Olivier Mouton, dans le vif L'Express de cette semaine, vous dressez un panorama qui est assez éclairant de cette fonction publique wallonne et bruxelloise. Et on se dit, à la lecture de votre dossier, que vous avez constitué avec d'autres membres de la rédaction du Vif, que quelle que soit la future majorité avec sans, sans le PS, finalement, le PS restera incontournable, d'une certaine manière. En tout cas, les témoignages que l'on a recueillis montrent que c'est potentiellement compliqué. Alors, on a interrogé des gens qui, soit ont été ministres dans... Dans des gouvernements où le PS était présent, des gens qui, au niveau communal, même si c'est différent, mais ont rejeté le PS dans l'opposition, des gens qui l'ont fréquenté depuis de longues années. On a aussi fait un peu l'état des lieux, évidemment, de ce qui était administration, organisme d'intérêt public, etc. Et on s'aperçoit que, effectivement, forcément, un parti qui est depuis 30 ans au pouvoir en Wallonie, qui est présent depuis la création de la région bruxelloise, occupe Beaucoup de postes et que ça pose des problèmes, parfois de loyauté, euh, de compétences, même si ça a, euh, a évolué au fil du temps, euh, que ça pose des, des, des problèmes de relais simplement pour euh, des politiques alternatives. Mmh. Éventuellement, certains nous disent il euh, y a un problème qui en fait est un problème qui est devenu culturel, c'est-à-dire que que le les administrations, les relais sont imprégnés de cette culture dominante. Mmh. Alors, pour en parler, on accueille autour de cet Pascal Deluitt. Euh, bonjour, bonjour. bienvenue, à vous, politologue à l'ULB. Et Marc Sirlero, de notre rédaction euh, politique de la RTBF Radio. Euh, L'un et l'autre, vous, vous, vous confirmez que ce n'est pas une légende de cette. Euh, cette présence massive du Parti socialiste dans, dans, dans les services publics, ce n'est pas uniquement des impressions que quelqu'un est socialiste. C'est vraiment les parcours de, de, de ces personnes jusqu'à leur poste qui permettent de, de dire qu'on qu est face à une administration largement dominée par le PS. Je dirais, si on élargit un peu le propos euh, dans un premier temps, c'est que ce n'est pas une légende que les administrations publiques, à l'échelle fédérale, à l'échelle régionale, à l'échelle communautaire, à l'échelle provinciale, sont des administrations où la couleur politique, in fine, pour la désignation des plus hauts cadres, est importante. Et donc, dans l'espace bruxellois, dans l'espace de la communauté française, dans l'espace euh, de la région wallonne, il y a effectivement une, de très nombreux cadres d'administration ou du secteur parapublic, entendu dans son sens le plus général. Qui sont socialistes, il y en a aussi pas mal qui sont au CDH, puisque ces deux partis gouvernent maintenant ensemble mmh. euh, depuis 2004, donc ça fait 12 ans, donc ça, ça a eu beaucoup d'impact. Euh, c'est vrai en Flandre, c'est vrai au niveau fédéral, donc euh, c'est une réalité. Et, et comme le parti. C'est socialiste... pas propre à la Wallonie, c'est ça que vous nous non, dites. Non, non. Si on regarde le paysage flamand, c'est un peu la même chose. Bah, si vous regardez le fédéral, euh, on a une nouvelle majorité mmh. en 2014, vous avez vu que. Euh, on y est allé. C'est d'une certaine manière la règle du jeu, parfois d'ailleurs euh, plus franco. Hein. Même euh, l'ancien gouverneur de la Banque nationale avait trouvé, VLD pourtant, avait trouvé que certaines opérations à la Banque nationale n'avaient pas été très heureuses et très élégantes. C'est une forme de règle du jeu. Euh, de de, a, de faire rouler quelques têtes. Elle, elle mmh. n'est pas spécifique à un parti. Ce qu'il y a euh, dans l'espace bruxellois et dans l'espace de la région wallonne, et c'est ce que montre le dossier, c'est que l'arbitrage qui est opéré est un arbitrage qui n'est pas proportionnel aux résultats électoraux, mais qui est proportionnel aux parti de la majorité. Et comme, depuis une douzaine d'années maintenant, ces deux parties, c'est un arbitrage en gros deux tiers, un tiers, deux tiers PS, un tiers CDH. Et qu'on a aussi un peu élargi le spectre. C'est-à-dire, c'est pas simplement les, les hauts cadres, les SPF, par exemple, au niveau fédéral, mais c'est aussi... Des domaines parapublics ou paraparapublics. Mm. Et c'est aussi ça qui fait que euh, le caractère euh, euh, réticulaire est sans doute plus prononcé qu'avant, même si il faut aussi souligner que le niveau des compétences euh, des personnes euh, c'est aussi élevé par rapport à avant. Mm. Mais comment ça se fait qu'on trouve si peu de libéraux, par exemple ben, Pour une raison simple, c'est que euh, les libéraux sont absents des, des responsabilités depuis 2004 et que par que ailleurs, avant est... ça. Euh, ils n'ont été présents que dans la législature 1999-2004, donc hum. il faut des fenêtres d'opportunité de nomination pour les oui, postes, mais euh, c'est la raison principale. Et donc, enfin, vous voulez les remplace à un moment donné Regardez aussi. la région wallonne, ben, le Parti socialiste euh, y a été présent euh, depuis 1980, euh, je pense 37 ans. Euh, les les sociaux chrétiens. 85 le... et 87. Oui, c'est ça. PS, euh, le PS dans l'opposition. Le CDH et le PC euh, y a été présent hum. 35 ans, donc euh, ben, voilà, vous avez essentiellement. Des directeurs, euh, des responsables euh, CDH ou PS. Et comme des deux parties, le principal d'entre eux, euh, c'est le PS, ben c'est lui qui a eu le plus euh, de postes à distribuer. Si vous prenez la région de Bruxelles-Capital, on l'a dit, ben, euh, le, le PS est présent dans la majorité à la région de bruxelles capitale depuis. Sa naissance, c'est-à-dire en 1989, et si vous prenez rien que le poste de ministre-président, euh, bah, il ne lui a échappé qu'une législature. Mmh. Marc Sierlero, est-ce que si maintenant euh, la majorité change en, en région Wallonne, on, on, on va voir des têtes roulées ou bien ils vont devoir fonctionner avec cette, euh, cette administration dominée par euh, le Parti Socialiste de toute façon et il va y avoir une cohabitation qui s'installe si on a une autre majorité bah, On a vu ce qui s'est passé au fédéral, on n'a pas vu de têtes roulées, alors que c'était une coalition qui était inédite avec euh, un parti euh, dominant qui jusqu'à présent n'avait jamais été au pouvoir, c'était la NVA. On n'a pas vu de têtes euh, tomber. On pourrait évoquer le cas de Philippe Mettens, qui était à un moment euh, responsable d'un service public fédéral, mm -hmm. tout ce qui concernait notamment euh, la santé, la culture et des choses comme ça, et qui dépendait de d'Elke euh, secrétaire d'État euh, NVA, mais il n'y a pas eu des têtes qui, ont, qui sont tombées. Ce qu'on a pu voir, notamment en France, on se souvient en 81 qu'à la gauche est arrivée au pouvoir, il euh, y a des têtes qui sont tombées, des préfets ont, ont été mis ailleurs, ont été déplacés dans des fonctions importantes. Les socialistes qui n'avaient plus été au pouvoir, il faut bien dire, en France entre 58 et 81, la gauche n'avait plus été présente au pouvoir. Donc quand ils sont revenus au pouvoir, ils ont voulu essayer de rééquilibrer. Et à ce moment-là, des têtes sont tombées. Mmh. Ici, on ne peut pas croire que du jour au lendemain, si un changement de coalition euh, euh, en wallonie, du jour au lendemain, tous les patrons des administrations ou euh, d'organismes d'OIP euh, vont tomber du jour au lendemain. Mais au fil du temps, il y aura certainement un rééquilibrage. Et je me souviens de Daniel Ducam quand il était euh, euh, président à l'époque du PRL, qui expliquait en 1999, ce serait bien de dépolitiser l'administration, mais avant il faudrait la rééquilibrer parce mmh. qu'il n'y a pas assez de libéraux représentés dans les arcanes publics. Donc vous voyez, euh, je pense qu'il y aura un rééquilibrage au fil du temps, mais des têtes qui vont tomber, ça je pense que ça fait un mmh. peu révolution française et ça peut dépasser. Euh, qui sont-ils, ces gens qui sont des hauts fonctionnaires ou des gens placés à la tête, même euh, d'ASBL, qui sont liés au pouvoir public C'est quoi leur parcours, Olivier Mouton, dans, dans votre enquête quel, quel type de profil vous rencontrez Oh ben, il y a différents types de profils. Donc, euh, et comme, comme Pascal Delhuit l'a très justement dit, euh, il y a aussi euh, un constat qu'on peut poser. C'est qu'au fil du temps, il y a eu évidemment une professionnalisation. Euh, de ces euh, fonctions. D'ailleurs, les, les, les personnes qu'on a interrogées montrent que euh, le Parti Socialiste, quelque part, a aussi cette force-là. C'est qu'il a, peut-être même plus que le CDH, d'ailleurs, euh, il a réussi à remplir les fonctions par des gens qui ont euh, des compétences réelles. On a parlé aussi beaucoup à un moment de l'Institut Emil van der Welt, qui était le centre d'études du Parti Socialiste, enfin, qu toujours, qui est toujours d'ailleurs, et qui a généré beaucoup d'ingénierie, beaucoup de connaissances, et qui a aussi euh, livré un certain nombre de ses... Profil. Donc on, on peut on peut être évidemment nuancé sur la question. Euh, mmh. On n'est pas en train de est dire en que. En partie compétent, c'est ce que vous. Oui vous dites, oui c'est euh... ça. Et donc euh, euh, voilà avec des. des... Mais mais par contre ce que certains nous disent aussi c'est que euh, ce mécanisme là coupe alors c'est plus compliqué que de l'énoncer comme ça, mais ça coupe par exemple de, de, de certaines personnalités du secteur privé ou mm. de gens qui auraient une compétence à l'international ou de gens qui viendraient avec un profil qui serait... Ça implique... Ça implique. Un autre changement, ça implique des, un changement important en termes de salaire. Parce que c'est vrai qu'on ne joue pas toujours dans la même cour. Quand vous êtes dans le privé, vous avez une fonction très importante dans le privé et qu'on vous dit, vous pouvez devenir patron d'une administration ou euh, d'un organisme pararégional en Wallonie. Quand vous comparez les salaires, même s'ils si se sont quand même nettement améliorés, euh, ben ça dépend quelle fonction il avait dans le privé. <laughs> Peut-être que certains vont faire la fine bouche. Et cela, et je vais peut-être se renchérir là-dessus, cela explique peut-être pourquoi il n'y a pas plus de fonctionnaires, entre guillemets, euh, étiqueté euh, MR ou libéral, parce que vous avez une autre tradition, vous êtes plus tourné a priori vers le privé que vers la fonction publique. Vous dites, euh, c'est pas ça qui m'intéresse, j'ai pas envie de devenir fonctionnaire. Cela peut aussi expliquer qu'il y ait moins de gens étiquetés au départ ou qu'il y ait une sensibilité euh, libérale mmh. qui se soit vraiment lancé dans l'administration. Je dis pas que ça explique tout, mais ça peut expliquer aussi en mmh. partie le, le déséquilibre constaté aujourd'hui. Il y a, Pascal Deluit, une espèce d'antagonisme entre l'idéologie et les rêves des libéraux et, et le principe de travailler dans un service public. Oui, ça peut, ça peut exister. Après, il faut quand même bien voir que, euh, bon, notamment pour les fonctions les plus importantes ou les postes les plus stratégiques, le profil type, c'est d'être passé par un cabinet, chef de cabinet, mmh. adjoint chef de cabinet. Donc ça, c'est mmh. vraiment très fréquent hein, quand on regarde aujourd'hui. Il faut bien voir que, notamment pour certains OIP, le niveau des rémunérations était quand même devenu assez élevé. OIP organismes d'intérêt public euh, Des organismes d'intérêt public. D'ailleurs, euh, et, et il est aujourd'hui en, en question et parfois pas si éloigné en réalité euh, des du rémunérations privé. du privé. Donc, je suis... Bon, ça peut arriver effectivement qu'il euh, y ait des difficultés à rencontrer des... Plus personnalités pour le euh, au, au profil plus libéral qui sont euh, tournés vers le privé. Après, il faut quand même... Revenir à la règle de base. La règle de base, c'est il y a deux filtres. Il y a une forme de filtre régulier, en tout cas, deux filtres réguliers, une forme de filtre de la compétence très souvent présent, mais pas toujours. C'est-à-dire euh, objectivé. Et puis il y a le filtre politique. Et, mmh, mmh. Faut, hein, a, Donc peu ce que jours. vous dites, c'est qu'il y a quand même des examens, qu'on y a quand même on évalue quand même vraiment la compétence non, des très gens. Très régulièrement, si mais simplement. pas toujours. Très régulièrement, il y a effectivement des procédures objectivées. Après. Euh, l'arbitrage se fait en fonction de la clé de répartition. Mmh. Et Macron. la principale raison pour laquelle il n'y a pas de libéraux euh, à la région Wallonne, à la Fédération Wallonne et Bruxelles, c'est qu'effectivement, ils, ils ne sont pas dans les quotas euh, politiques mmh. déterminés. Mais c'est vrai que ce que Pascal Deluit dit est, est un, important et intéressant, c'est que beaucoup de ces euh, personnalités euh, ayant des responsabilités importantes ont été chefs de cabinet, chefs de cabinet adjoints, etc. Et donc ce que l'on peut constater, c'est que l'administration, euh, sans euh, évidemment mêler tout le monde là-dedans, mais est devenue un peu un prolongement des cabinets ministériels, un relais politique majeur. Et les témoignages que l'on a, c'est par exemple que, je parlais de problèmes de loyauté, il y a une négociation avec un, un parti qui est moins représenté au sein de la... Administration, il y a des notes qui euh, fuitent euh, et qui arrivent sur la table des partenaires qui se retrouvent euh, dans la négociation évidemment démunis. Alors, ça, c'est un témoignage euh, que vous avez dans votre dossier. Ouais, Je pense plusieurs... que c'est Philippe Henry qui dit ouais, ça. Ouais, il dit, ça. Euh, quand j'arrivais à les négociations avec euh, mes partenaires gouvernementaux, ils avaient déjà les notes. C'est bizarre. Voilà, un Philippe de nous dit, bah, euh, qui a travaillé pas mal au niveau local, dit bah, en fait, il y a des communes qui reçoivent les dossiers euh, euh, avant pour pouvoir se préparer à des appels à subsides, des choses comme ça. Euh, il y en a pas mal. Euh, et donc. Euh, euh, évidemment, là, on... alors évidemment, il y a toujours une continuité de la politique, une hein. administration. On ne va pas forcément. C'est vrai qu'à Namur, euh, <laughs> il doivent avoir les notes avant. Ça. <laughs> oui, ben, oui, oui, non, mais c'est vrai, sans doute que ça se pose dans différents registres. Mmh. On est d'accord, mais euh, mais toujours est-il que ça pose un problème de. Neutralité, si on peut l'appeler comme ça. Mmh. Cela dit, on entendait euh, Hervé Asquin euh, en introduction de ce débat dans la première partie de l'émission dire que quand lui avait été ministre-président à la communauté française à l'époque, il n'avait pas eu le sentiment qu'on lui mettait particulièrement des bâtons dans les roues. Donc, quand même, parfois, euh, les relations se passent bien, hein, marc -Leron Oui, on, on part ici du principe que euh, les, les responsables de l'administration ne vont pas jouer le jeu. Il faut quand même bien dire, on a quand même souligné que la plupart sont compétents. Et dans le même temps, ils sont là pour permettre une continuité de l'exercice de la fonction ou de l'État ou de la région. Donc on part du principe qu'ils ne joueraient pas le jeu. Il faut quand même bien dire que dans la plupart des cas, tous ces responsables de la fonction publique, de l'administration ou d'organismes par régionaux jouent le jeu. Il faut quand même le souligner. On partirait du principe qu'ils ne sont pas toujours honnêtes. Bon, il y en a avec qui ça ne fonctionne pas. Mais vous savez, on peut prendre un autre exemple. Prenons une commune. Dans une commune, pendant 20 ans, c'était une majorité absolue pour un parti. Et puis, il y a un changement de majorité. Vous savez, dans bon nombre de communes, celui qui est le réel bourgmestre, c'est ce qu'on appelle maintenant le directeur général, avant le secrétaire mmh. communal, ou le directeur financier, ce qu'on appelait avant le receveur communal. Lui, ces deux personnes-là connaissent tout, les, euh, tout le système. Ils connaissent tout dans la commune. Et donc, il y a un changement de majorité. Souvent, ils ont travaillé avec le même bourgmestre pendant 20 ans, avec la même majorité et parfois il y a ce qu'on appelle le syndrome aussi de Stockholm même oui. s'ils si ne sont pas au départ proches de ces gens et eh bien ils fonctionnent avec Il y a un pas forcément une question de malhonnêteté c'est pas pour voilà, ça que ces gens là, c'est euh... ne fonctionnent plus non mais c'est pour ça, pour que... pour oui, il y a une vraie question qui... aussi, hein. oui mais il y a une vraie question qui se pose en termes, parce que ce dont on parle là quand même, c'est d'alternance d'alternance démo... démocratique le fait qu'à un moment il puisse y avoir d'autres impulsions d'autres politiques initiées et quand je disais tout à l'heure, euh, Philippe Defeit en l'occurrence dit, il y a un vrai problème culturel qui se posent et d'autres témoignages vont dans ce sens là c'est de dire à un moment en fait c'est difficile d'initier autre chose parce que les gens ont été habitués parce que depuis 30 ans on leur dit faites la même chose et donc Or, on est quand même... Mais c'est époque... quand même basé sur le résultat des élections, il ne faut pas non plus Non, non, peut-être, voilà. peut-être, si est toujours est-il que... Si le PS se retrouve pour 10 ans dans l'opposition, vous aurez un autre équilibre, et heureusement, c'est ça l'alternance. Oui, mais enfin, on est en train de parler aujourd'hui d'une époque où on appelle à des alternances, à des, 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 des nouvelles pratiques de gouvernance, des... et par ailleurs, je, je voudrais aussi dire que euh, ce que l'on constate dans l'époque que l'on vit aujourd'hui, c'est aussi qu'on a créé quand même un certain nombre de bazars, si je puis me permettre, que ce soit euh, à Bruxelles, on l'a vu, mais euh, euh, en Wallonie aussi, euh, encore une fois, tout n'est pas nécessairement euh, acheté, on est d'accord, mais c'est quand même une manière qui a été initiée de phagocyter un certain nombre de lieux et de, euh, bah, quelque part, de, de, de tenir toutes les rênes de ces politiques-là. Et ça, c'est la longévité, euh, notamment du, du PSO. Bah, 30 au... ans au ah, pouvoir, je m'excuse, mais c'est quand même ça... pas neutre. Moi, je, je suis quand même sensible à la démocratie et à l'alternance démocratique. Je pense que du côté francophone, ce n'est pas un faible mot que de dire qu'elle a été trahie, celle-là. Alors, on va se retrouver dans un instant pour poursuivre ce débat et voir si on peut imaginer un jour de dépolitiser, par exemple, la fonction publique. Et cette question dans débat première, est-ce que si une majorité MRCDH s'installe en Wallonie avec ou sans l'appui des colloques et de défis, les nouveaux ministres qui s'installeront à la fin de la législature auront la possibilité de travailler de façon productive et constructive avec l'administration dominée, on l'a dit, par des hauts fonctionnaires et des directeurs étiquetés, socialistes et CDH en particulier Alors. Euh, on peut peut-être se faire cette, 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 cette réflexion. Pascal Déluit, on, on a entendu des témoignages, Hervé Asquin tout à l'heure, dire qu'il n'avait pas eu l'impression d'avoir des bâtons dans les roues. D'autres qui disent qu'ils ont eu des difficultés ou, ou des fuites, comme Olivier Mouton a expliqué, d'informations où les dossiers arrivent sur la table des partenaires avec qui on doit négocier avant. Euh, cela dit. Euh est-ce qu'au travers de, 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 de ces gens qui disent j'ai eu des problèmes avec l'administration, il n'y a pas un peu l'idée que l'administration doit être docile, loyale Et est-ce que c'est ça qu'on demande à l'administration Est-ce qu'on n'est pas logique aussi d'avoir des, des directeurs qui euh, défendent leurs services et empêchent parfois aux ministres d'avancer sur certains points Mais Je dirais que, euh, avec votre question, vous abordez un problème fondamental qui est de savoir quelles sont les relations qui doivent exister entre le politique et l'administration et, et qu'attend-on d'une administration et c'est clair que les cultures à l'échelle européenne sont très différentes en la matière. Hein, et on parlait tout à l'heure de la question de la politisation et de la dépolitisation. Ben, regardez, en France, formellement, c'est dépolitisé, mais les relations entre l'administration et les ministres sont souvent très difficiles parce qu'il y a d'autres logiques qui jouent. Hein. Mmh. L'appartenance à une école, l'ENA, l'école des mines, Sciences Po Paris. Donc, euh, il faut avoir ça à l'esprit. Je crois que dans l'idéal, il n'y a pas d'idéal, mais ce qui euh, doit quand même s'en rapprocher, c'est une administration proactive, c'est-à-dire euh, qui a un rapport avec les ministres d'évaluation et de proposition de politique à mener. Après, on est dans une démocratie, les grandes orientations doivent être définies par la majorité parlementaire. Hein, donc il doit y avoir à la fois une démarche proactive des administrations vers le pouvoir politique, hein, d'évaluation et de proposition, indépendamment de la couleur politique euh, du ministre, mais... Les choix qui sont opérés au niveau du Parlement et au niveau du gouvernement doivent être mis en œuvre par l'administration. Dans quelle mesure, si on change de majorité, euh, au conditionnel, hein, à la région wallonne et à Bruxelles, il restera une ligne directe entre certains euh, certaines administrations et le boulevard de l'empereur Olivier Mouton, à votre avis En tout cas, euh, je pense qu'il restera des liens. Ça, c'est une certitude. Euh, maintenant. Euh, encore une fois, euh, il y a une continuité de la politique euh, qui est exercée au niveau de l'administration, il y a aussi euh, euh, une relation... Euh Bien entendu, sur le fait qu'à un moment, euh, l'impulsion vient du politique. Donc mmh. je pense que malgré tout, ça se fera. Mais, euh, alors les exemples du côté francophone, c'est difficile parce que, comme on l'a dit, depuis euh, 30 ans, ce n'est pas le cas. Mais je, je cite l'exemple, par exemple, qui n'est pas comparable à 100%, on est d'accord. Mais de la commune de Molenbeek, qui a été quand même un, un lieu assez emblématique, François ce qui a basculé euh, en 2012, dans des circonstances compliquées. C'est pour ça que je trouve que l'exemple est intéressant. On parle aussi de trahison, de... c'était un. Un moment compliqué, et eh bien, euh, donc ça fait euh, aujourd'hui cinq ans et euh, visiblement c'est très 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 compliqué parce mmh. que l'administration était là, PS, depuis 1939. Donc on parle quand même non, de, 19... de quelque chose, non Non, non, non. non, non. non, non, non. <laughs> parce qu'elle est en lui en 1982 le PS a été renvoyé dans l'opposition oui, à la commune de Molenbeek, donc ce n'est pas depuis 1939. En tout cas, il y a eu une longue occupation oui, euh, on au pouvoir bien. là et, euh, et qui a fait que... Euh, quand, quand, quand la nouvelle majorité s'est installée dans, le, dans les circonstances que l'on sait, ça a été euh, euh, difficile en termes de culture, là encore. C'est vrai, mais... C'était un peu bizarre quand même l'interview de Françoise Kepman, parce que d'une part elle était quand même au pouvoir jusqu'en e oui, 2006, et d'autre part elle avait des partenaires de majorité qui étaient dans le pouvoir dans la législature précédente ou dans la précédente. Donc c'était un, un peu étrange quand même comme, comme développement. On a quand même eu des, des réformes qui visaient à dépolitiser l'administration, notamment Marc Sirlero soulevait le problème des salaires qui ne sont pas vraiment attractifs. C'est vrai que qu'on a eu ces ça top changé, managers, ouais. ça a changé. Euh, pourquoi Est-ce qu'on peut pas imaginer une fonction publique, en tout cas les, les, les principaux personnages aux, aux manettes, euh, dépolitisés Est-ce que ça paraît compliqué Non, on, on peut l'imaginer, mais euh, il faut bien avoir à l'esprit que il y a toujours, euh, bon, je crois qu'il y a toujours deux principes qui doivent prévaloir. Le premier, le plus fondamental, c'est le principe du mérite et de la compétence. C'est-à-dire qu'à mon avis, pour toute fonction, il faut une évaluation objective du mérite et de la compétence. Et le deuxième, et je crois qu'il est vraiment important, ça peut concerner soit une administration où on fonctionne par étiquette politique, soit une administration où on fonctionne sans étiquette politique, c'est le principe de la diversité. Hein, parce que, comme je l'ai dit, si vous prenez le cas britannique ou si vous prenez le cas français, c'est moins politisé, mais c'est moins diversifié dans une certaine mesure, mmh. parce que c'est Oxford et Cambridge d'un côté, l'ENA et Sciences Po-Paris mmh. de l'autre, ce qui n'est pas bon non plus. Donc, je crois que le, hein, il faut essayer de respecter ces deux principes. Ce n'est pas si simple. Moi, je ne serais pas scandalisé qu'on maintienne une administration avec des étiquettes politiques. À titre personnel, je plaiderais alors pour qu'on aille dans une logique proportionnelle relative aux résultats électoraux. Autant, hein, pour essayer de diversifier mmh. euh, le personnel. Mais il y a néanmoins toujours le premier élément qui doit être primordial. Qui est l'élément de la compétence vérifiée et objective mmh, Sur, sur l'idée que finalement ce système actuel permet peut-être de diversifier plus que si on allait chercher euh, parmi les, 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 les ingénieurs ou les, les, les gens sortant des écoles de sciences politiques, et Leroy. Est-ce que c'est vrai que finalement ces partis permettent de faire émerger à la fonction publique des profils qui sont euh, très différents bon, Ils ont quand même de manière générale un profil assez semblable. Ils ont fait des études qui sont quand même bien marquées. C'est différent de la France où c'est vrai, comme l'a dit. Euh, euh, ici, Pascal Deluit, ils sortent souvent des mêmes écoles. Ici, ils ont parfois, au fil du temps, ils risquent on risque peut-être de retrouver quand même des gens qui ont un parcours assez semblable. Et ici, Olivier Mouton l'évoquait, des gens qui sont aussi passés par des cabinets. Ce qu'on pourrait aussi évoquer, c'est ce qui avait été évoqué, euh, envisagé au niveau fédéral comme réforme, c'est la réforme Copernic. Où on disait qu'il fallait diminuer les gens qui allaient travailler dans les cabinets. Vous allez y avoir des cabinets de 10-15 personnes, mais plus travailler, plus impliquer l'administration, et c'est là qu'est venue notamment cette idée de top manager, et en les impliquant ainsi, bon, on a vu quand même le résultat, il y a toujours autant de gens qui sont dans les cabinets, et au niveau des top managers, il y a encore une répartition qui se fait de manière politique. Mmh. Donc, on ne peut pas dire qu'on ait eu un changement considérable. Euh, bon, il bah, y a sans doute des changements à envisager. Euh... C'est l'objet de blocages réguliers, d'ailleurs, au gouvernement fédéral. Mais oui, la nomination des personnes. Mmh. Oui, alors, parce que le problème qui pourrait se trouver, c'est de se dire, on innove, mais ça, c'est un vrai problème, c'est de se dire, cette place-là est réservée pour un représentant de tel parti, ouais. ce qui est le cas parfois maintenant. Alors, vous pouvez avoir des gens d'autres partis qui sont plus compétents. On dit non, c'est pour telle couleur, ce poste est pour telle couleur, et donc vous avez parfois quelqu'un qui se retrouve désigné qui n'était pas mmh. nécessairement le meilleur pour ce poste. Ça, ça pose aussi un gros problème. Mais je veux dire, il faut quand même retenir une chose au départ il faut que les gens soient. Compétent et honnêtes. On parlait du, du poids des cabinets. Euh, et certains disent que pour faire face à une administration qui leur paraît a priori hostile, ils seraient tentés euh, d'avoir des cabinets importants avec des surcoûts possibles, voire de recourir à, à des cabinets privés pour, pour de la consultance et vérifier ce que fait l'administration. C'est un problème C'est bah ce qui s'est développé au fil du temps. C'est que les cabinets ministériels ont enflé, qu'on fait appel effectivement à des consultants extérieurs pour valider des politiques et que quelque part, on, euh, on, on court-circuite l'administration, mais c'est euh, effectivement la, la réforme dont Marc parlait, c'était euh, le grand élan euh, que euh, Guy Verhofstadt voulait initier au début des années Avec 2000. Avec le, SPA, euh, le Boss, notamment. Voilà, euh, ça a vite ça a vite tourné court parce que, parce qu'on se rend compte que culturellement, là encore, en Belgique, c'est pas euh, évident. Eh bien merci à tous d'avoir participé à ce débat première. Merci Pascal Deluit euh, de l'ULB. je rappelle Olivier Mouton pour lire merci votre vous. dossier dans le Vif Express qui est sorti aujourd'hui et merci à Marc Sirleuro de merci. la rédaction de la